Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Sakuna of Rice and Ruin. Et comme ça nous est déjà arrivé une autre fois lors du let's play, en relançant le jeu, je me retrouve dans une cinématique, c'est assez marrant. Alors qu'est-ce qui se passe? Taima a trouvé des scrolls de farming pour nous, d'agriculture. Et alors apparemment ça donne des conseils au niveau du goût du riz, de son côté gluant et de sa dureté. Et apparemment c'est connecté à la force et à la vitalité, en tout cas à toutes les stats en fait de Sakuna. Alors apparemment si on suit les conseils on aurait moins de champs, mais on avait quelque chose de plus fort quoi. Alors là Taemon il est à fond, il est en mode je vous en supplie, il faut absolument suivre les conseils de ces scrolls, de ces parchemins. Oh recule, tu me respires dessus là. Ok, ok. Alors il est temps de trier un petit peu notre riz. C'est vrai qu'on avait, on avait juste récolté la dernière fois. Donc, on va utiliser la boue. Je vais pas en mettre trop. Genre, encore un peu. Voilà, genre comme ça. Hop. On va remuer. Allez, allez, allez. Oh, je remue bien cette fois. Oh! Oh, je viens de comprendre comment faire efficacement. Ah, mais c'est juste beaucoup, beaucoup plus rapide. Ok, ok. Bon, bah, ça a l'air d'être bien remonté à la surface. Et après, le reste, on garde. Parce que la taille de la récolte, quand même, a son importance. On passe, du coup, à 448. Et on va choisir, cette fois-ci, la taille. On veut un maximum de graines. Voilà, comme ça au moins on aura tout essayé. On va checker un petit peu. Ah oui, bah il faut fracasser la terre là. Oh, oh le petit connard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ok, mais oh, putain, mais c'est le roi. Toi aussi, tu as compris que ce sont des canards. Tu te fais ami vraiment avec n'importe quelle créature que tu trouves, hein. Ah, mais il est trop précieux ce gamin, j'en peux plus. Il m'a ramené des canards, ils sont incroyables les petits canards. Est-ce qu'on peut les entraîner pour faire quelque chose? Ok, alignons ces canards. Oh, ils écoutent Kaimaru les canards. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils mangent les insectes et les mauvaises herbes. Si on les garde, ils vont vraiment nous être utiles. Ah, donc tu y avais pensé, Kaimaru. Ah, tu as vraiment de grands talents. Mais si on doit les garder, il faut trouver un endroit où les loger. Très bien, je vais rassembler les matériaux. Attends, les petits canards. Ah non, ils sont où les canards? Non, mes canards. Alors c'est quoi? Je dois avoir les matériaux déjà, c'est tellement qu'il faut aller voir Kinta. Kinta, tu vas nous faire une maison pour les... Kinta? Pourquoi il est pas là quand on a besoin de lui? Ah mais le soleil s'est déjà couché en fait. Non, les petits canards. Bon. On va aller tabasser la terre là. C'est parti. Mais là, les canards vont me mettre grave bien. Au moment où j'avais fabriqué un engrais, là, justement, qui allait attirer un milliard d'insectes. Là, on va ramener les petits canetons, là. Ils vont tout défoncer. Ils vont miam, 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 miam. Les canards vont même se multiplier. On va avoir du canard au dîner. Non, évidemment, je ne touche pas aux mignons petits canards. C'est hors de question. Ce sont mes amis pour la vie. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la terre, là? Alors il me semblait qu'on avait acquis une compétence qui nous permettait de faire encore mieux. C'est juste que à force on remarque plus quoi. Voilà. Allez, quoi que si on voit, regarde, c'est quand même. La terre est quand même bien. Bien cassée. Tac, 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 le caillou ici, bam, il dégage. Très bien. Là, si je passe un peu par là. Sakuna, elle veut déjà qu'on arrête le boulot, mais c'est hors de question. On peut faire bien mieux que ça.
Ah, de nuit, je vois ma... je vois pas. Attends. Il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression. Voilà, là, on est bon, là. Combien de pourcents est-ce qu'on n'aurait pas un 100% pour la première fois de notre carrière? 95! Ah, c'est clairement le best. Ok, bon, il y a un milliard de trucs qui a pourri, un vrai plaisir. Ça fait toujours plaisir, voilà. Surtout que j'ai fait mes courses aujourd'hui. Bon, tu sais combien ça coûte, ces merdes. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ah, déesse, bon retour. Ah, mais c'est un démon, je viens de comprendre. Ne me dis pas yo. Pendant que je risquais ma vie à attaquer le fort, vous, vous avez recueilli un démon. On l'a trouvé effondré pas loin d'ici. Il était couvert de lacérations. Donc on s'est dit que ses amis l'avaient abandonné pour une raison. Il avait l'air vraiment effrayé, on pouvait pas le laisser comme ça tout seul. Une fois qu'il pourra marcher, nous le laisserons partir. Je ne l'accepterai pas. Un démon est un démon. La princesse a raison. Ce n'est pas un simple animal. Les démons ne ressentent pas à la gratitude. There's no telling what tragedy may come to pass. Si vous ne l'achevez pas maintenant, on ne sait pas quelle tragédie nous attende. His wounds, surely in his state. Mais ses blessures. I've killed any number of rabbits and skinned them for you all to eat, have I not? J'ai tué tout un tas de lapins et je les ai... En gros, voilà, elle les a défoncés pour qu'on puisse les manger, quoi. Pourquoi commencer à montrer de la pitié? C'est égoïste de ma part, je le sais. Irrationnel même. Je vous en supplie, déesse. Sauvez-le. Regardez, il tremble, il peut à peine respirer. Je ne peux pas le regarder se faire tuer. You should finish it off. Tu devrais l'achever. It's fine to have a bleeding heart and stuff, but it ain't worth it if we all get killed. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais ça ne nous mènera à rien si c'est pour mourir. Je ne supporte pas quand tu dis des choses comme ça. Fine. But as soon as it's back on its feet, we throw it out and slam the door shut. Très bien, mais dès qu'il est remis sur pied, on le dégage d'ici. Hors de question qu'on le garde comme un animal de compagnie. Princesse, ce n'est pas acceptable. Je ne le répéterai pas. Lady Sakuna. Oh, goddess. And you, fool samurai. Keep your sword sharp. If things go awry, the responsibility of killing it falls to you and you alone. Et toi, imbécile samouraï, prépare ton épée. Parce que si quelque chose se... En gros, tourne mal, ça sera à toi de le tuer. Air that remains uncontaminated by foolish sentiment. Je vais prendre un peu l'air. Please wait, princess. Princesse, s'il vous plaît, attendez. Softies, all of them. Hein, des madeleines, tous autant qu'ils sont. Ok. Je l'avais dit qu'on reviendrait sur cette histoire, à mon avis, de viande, là. Ça me paraissait trop bizarre. Donc là, il commence un petit peu à avoir de la sympathie pour les lapins. Sakuna l'a bien pressé que c'était les mêmes lapins qu'ils ont bouffés durant tout leur séjour ici, en fait. On va voir un petit peu comment cette histoire va tourner. Mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri dont sympathise avec
les démons, entre guillemets, une fois qu'on a battu leur chef. Parce qu'apparemment, les démons n'attaquent pas tout le temps l'île. C'est qu'ils sont un peu guidés, tu vois. Ah, mais il fallait aller dormir aussi, qu'est-ce que je fais? Sakuna, par principe, elle dit oh, je vais prendre l'air, mais en fait, il faut juste qu'on rentre tout de suite pour manger et puis dormir. Maintenant qu'on a fait le truc de Kokolawa, on a aussi accès du coup au sommet du fort. Et potentiellement à la fin du jeu. Hein. Alors, mais en fait, il y a un problème avec ces trucs là d'araignées, de grenouilles et tout, tu vois. C'est que j'ai l'impression que ça se reset tout le temps, tu vois. Les araignées, j'en ai déjà ramassé avant. Et là, ça reprend à zéro. Donc je pense qu'on n'y arrivera jamais au 100%. Est-ce que je change le menu? Non, on va manger comme ça, on va lui faire confiance à Myrte. Voilà, elle nous fait un vieux riz et de l'eau. Tama, cette nuit et la nuit. Ah ça y est, il va raconter la fin d'histoire, je vous ai bien qu'on n'est pas la fin d'histoire. Hein, je vais voir ce que je peux faire. Ok, où en étais-je? La capitale a entendu dire que Takalebi avait battu Omizuchi et ses hordes de démons. L'ancienne Lady Kamitsuki a pris avantage de la situation et s'est emparée de l'île. Il a envoyé ses troupes. Ah et en fait Takalebi a combattu l'armée du coup de Lady Kamitsuki. Et donc après quelques mois face à la première bataille contre Imizuchi, une nouvelle bataille cette fois-ci était menée contre la capitale. Encore une bataille! Lady Kamitsuki et mon père ont l'air de beaucoup apprécier les batailles. Alors là, c'est une expression que je ne saurais vous résumer, mais en gros, c'est comparer quelque chose qui n'a rien à voir, je suppose. Du côté ouest de cette île, à côté de la côte, il y a des montagnes qui sont constamment entourées d'un profond brouillard. C'est le seul endroit où un grand bateau, alors je suppose, peut poser à amarre, en gros, débarquer. Et donc Takalebi a décidé de construire un fort sur cette montagne-là. Ok, donc là il parle de la défense qu'il a montée. Qu'il y a eu un rapport qui a changé la donne. Et c'est là que la précédente Lady Kamitsuki est morte soudainement. Comment? Alors l'ancienne Lady Kamitsuki était à la fois une rivale et un compagnon irremplaçable. C'est étonnant pour des gens qui se font la guerre. Et quand il a appris la nouvelle, il y a un grand trou qui s'est fermé dans son cœur, tu vois, il était vraiment très triste, quoi. Et alors, avant de mourir, elle a laissé des mots pour Lord Takalebi. Arrêtez la guerre, supportez la nouvelle empereur, et en gros, soyez dévoués envers elle et la prospérité de la capitale. Donc là, la nouvelle Lady Kamitsuki, on a vu qu'elle n'était pas si parfaite que ça déjà lors de notre combat face à Kokolawa. Et donc, ouais, il y a quelque chose qui se joue. Je l'ai dit que je sentais, ce jeu avait une écriture vraiment pas mal. Donc là, on est sur des rebondissements, là. Elle a vraiment dit ça? Mais ils étaient en train d'essayer de se tuer les uns les autres. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose entre les deux qu'un étranger ne pouvait pas comprendre. Là, Takalebi a pris ses mots à cœur et est retourné à la capitale. Et pour ça, il a été obligé de faire ses adieux à sa vie dans le passage, donc là où on est actuellement. Ah, ça y est, c'est enfin la fin de l'histoire! Après avoir passé la moitié d'une année l'un avec l'autre, Lord Takalebi et Lady Toyohana avaient forgé un lien indestructible. Et c'est à ce moment-là que Lord Takalebi s'est proposé en mariage. Ah, enfin! Waouh! Pourquoi vous le remerciez? Et c'est là que du coup Takalebi et Lady Toyohana ont travaillé main dans la main pour la prospérité de la capitale.
Et c'est comme ça que le dieu de la guerre enragé, qui avait ravagé la capitale, est devenu un mari sur lequel on peut compter. Et c'est comme ça qu'ils ont donné naissance du coup à Sakuna. Sakuna, tu pleures ? Non, je ne fais pas ça. C'était vraiment une belle histoire, n'est-ce pas, DS ? Ah, très très amusant. Tout le monde dit... Attends, chaque personne dit qu'il a une histoire, mais... En gros, c'est vraiment une histoire remarquable, quoi. Une histoire personnelle remarquable. Et donc là, elle est contente de savoir d'où elle vient. Et c'était vraiment... voilà, c'était cool, quoi. Par contre, elle est étonnée d'apprendre que son père était en guerre avec la précédente Lady Kiyomitsuki. C'est clair que c'était the info importante du moment. Et je pense que c'est pas pour rien que cette information arrive après ce qu'on a découvert sur la Lady Kiyomitsuki actuelle. Donc là, souvent, Sakuna dit « Ouais, j'ai destiné pour de grandes choses, etc. » Et là, Kinta lui demande « Est-ce que tu penses que tu pourrais affronter la Lady Kiyomitsuki d'aujourd'hui comme avait fait ton père ?» Princesse, il n'y a pas de mérite à vous comparer aux autres. Comme je disais avant, toutes les choses sont connectées. Si vous deviez vous affronter Lady Kiyomitsuki, ce serait plus que une simple rébellion d'adolescente. Vous ferez bien de vous occuper en gros de vos propres affaires. Je vois, mais je ne peux pas imaginer quelque chose de plus ennuyant. Ok, bah c'était une sacrée longue histoire, dis donc. Bon, on a quand même plus 18 en force, et la force de ce ribrin. Et on va se reposer jusqu'au matin. Ah, mais les trucs sont prêts à être plantés. Mais j'ai envie d'aller attaquer le fort, moi, bon sang. Je pense pas que ce soit la fin du jeu, en plus, le fort. Je pense qu'on va avoir encore un twist derrière. Allez, on va aller planter. 448, c'est parti. Alors je serais tenté... Non mais là tu vois la terre elle est encore bien fertile. On va planter un peu n'importe comment. Voilà, franchement sinon ça prend 50 ans. Tac, tac. C'est quoi, je vais laisser Taimon faire. Ça donne quoi? Un peu trop proche. Bon ça va. Franchement vu le temps que je gagne, que ce soit un petit peu proche, là ça va être le coup. Ok, ça c'est fait. Et du coup, peut-être que le temps que j'ai gagné comme ça... Ça va me permettre d'aller attaquer le fort. Let's go. Et c'est là qu'il n'y a rien. T'imagines, il n'y a rien dans le fort. Et je fais quoi alors? Non, il va se passer quelque chose. Donc là, on arrive ici. Donc là, ils disent qu'il n'y a rien. Mais le leader des démons doit forcément se cacher dans le coin. Ah, on doit s'occuper d'autre chose et revenir ici plus tard. C'est comme la dernière fois en fait, sauf que bah du coup je l'ai fait le truc de Kokolawa maintenant. Et donc qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ah, il y a la grotte! Il y a la grotte avec le milliard d'étages là. Bah là je vois que ça. Hein. Si c'est pas ça... Je vois pas ce que ça peut être. Alors attendez. Ok. Alors. Donc là, je peux me déplacer. Très bien. Bah, attendez une seconde, je vous retrouve tout de suite. Ok, me revoilà. Alors, où est-ce qu'on était? On en était... Clac, je me réinstalle bien, les amis. Étage numéro 11. Le soleil, il est où? Ouais, normalement, j'ai des bien meilleurs stats que la première fois que j'ai testé cette zone-là. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de sauvegarder étage 15. Oh oui, les dégâts de fou! J'ai des HP de dingue, j'ai des dégâts de fou, ça va le faire. Ok, on passe comme ça. Tac, 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 tac.
Ah, j'ai des nouvelles armes aussi. Est-ce que j'allais tester ces nouvelles armes? Je suis pas sûr. Ah ouais, mais là, ça a rien à voir. Ah, mais... c'est trop bizarre. J'avais un boost de vie, en fait. Et qui a disparu. Ah oui, au moment où mon estomac s'est vidé. Ah, mais ouais, d'accord. Je viens de comprendre un fonctionnement du jeu. Ok, ok, donc les boosts de bouffe disparaissent tous à partir du moment où notre estomac est vide. Ce qui est en soi assez, assez logique, mais c'est la première fois que je vois la barre de vie qui réduit sous mes yeux, quoi. Ok, tac. En vrai, je sais pas si on va être assez rapide. Hein. Il y a juste... en fait, c'est pas dur, c'est qu'il y a juste trop d'ennemis, quoi. Là, on a étage 11. Il va y avoir 12, 13 et 14. Non, attends. Non, était où? Ah oui, non, c'est vrai que c'est 12 direct. Là, c'est le 13, puis 14. Et en fait, c'est tout, parce que le 15, c'est l'endroit où on se TP. Non, c'est faisable. C'est faisable, les gars. Faut juste vraiment passer en mode speedrun. Ok. Oh, mais... plus, je vais perdre 30 ans quand je prends un coup comme ça. Tue-le, bon sang. Ok. Allez, 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 allez. Oh là là, la nuit qui arrive. Ça peut le faire, ça peut le faire. Oh non, c'est la nuit là. Pitié, laissez-moi juste un peu de temps. Mais attends, mais en vrai, je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a encore un étage derrière. Ah, je prends trop cher en plus, c'est dommage ça. Aïe aïe aïe. Ah, je crois qu'il y a encore un étage. Bon, vas-y, laisse tomber. On reviendra demain, en tout cas on a récupéré des bonnes ressources, de l'ambre et tout, donc c'est très bien. Ah, et demain il faut que Quinta me fabrique la maison des canards aussi. Ça y est, moi j'en ai marre du chien, je veux mes petits canetons. Hop. Au niveau de la terre, ça se débrouille toujours très bien là. Salute! Mangeons. Par contre, tu vois, même si je laisse Taemon s'occuper des plans et tout, eh ben, je gagne pas de temps, en fait. Enfin, je gagne du temps que pour moi, IRL, mais pas dans le jeu. Donc là, il dit, Quinta, il dit, c'est voyager, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas comment tu fais pour faire ça aussi facilement. Bon, là, ils disent des trucs vraiment basiques, ils parlent de voyager. Ok, donc là Quinta il parle plutôt des voyages que fait Myrthe. Il se demande est-ce que n'importe qui avec un peu de motivation peut voyager comme ça, quoi. Taemon il dit que ça peut prendre la moitié d'une année pour rejoindre l'autre pays. Et que voyager, bon, c'est pas n'importe qui peut le faire, quoi. Et là Quinta se dit, ah mais Myrthe elle a ça en elle, elle est capable de faire de tels voyages. Myrthe elle dit qui c'est pour Dieu, elle serait prête à mourir. Et là, elle se demande, Sakuna, est-ce que moi aussi je recherche des humains qui seraient prêts à mourir pour moi? Donc là ça parle du pays de Nadith. Donc là, il réalise que le monde est très grand, parce que même Nadith est un grand pays, alors Kuka est déjà un grand pays aussi. Là, elle disait que les gens de ce pays-là avaient une couleur de peau différente, et Sakuna est surpris de la diversité des humains. Apparemment, les habitants de Nadith sont tous heureux, ils n'arrêtent pas de chanter, de danser partout.
et que c'est aussi le cas du dieu de Nadith. C'est quelque chose de sacré pour les habitants de ce pays. Donc à la fois dieu et les habitants sont joviales dans ce pays. Très bien. Kinta détesterait ça, selon lui. Et Yui dit qu'au bout d'un moment, tu dois être heureux tout le temps, ça doit te saouler, quoi. Ça parle de la nourriture, comme quoi il y en avait beaucoup là-bas et que les habitants de Ventania étaient jaloux. De la très bonne nourriture, mais beaucoup de nourriture épicée. Des choses que Myrthe est incapable de finir de manger, quoi. Et ils croient tous en quelque chose qui s'appelle l'Alka. Et donc c'est très dur d'enseigner Formos là-bas. Donc du coup ils ont arrêté d'enseigner à Nadith et ils ont décidé de se rendre à Nyahato. Donc là on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de religions dans le monde. Et là Kinta envoie une pique à Sakuna en disant que c'est dommage que les dieux ici sont complètement inutiles. Comment oses-tu alors que tu comptes sur moi tous les jours? Et elle dit que même son côté paresseux est fantastique, tu vois. Ok, très bien. Mais tout ça amène des choses sur le fait qu'on doit douter des enseignements aussi du côté des dieux et de Lady Kamitsuki. Parce que c'est vrai que le fait de dire que Lady Kamitsuki serait l'esprit le plus puissant, le truc qui se rapprocherait le plus de dieu, alors qu'on voyait qu'elle était pas si parfaite que ça, qu'il y aurait d'autres dieux autre part, et qu'en plus Lady Kamitsuki peut être remplacée, clairement c'est le message qu'on essaie de nous faire passer ici. Allez, on se repose jusqu'au matin. Et notre riz a l'air d'avoir bien poussé. Ok, le fertilisant lui il a pas bougé. Je serais quand même tenté de refoutre le nouveau fertilisant avec les stats en vrai. Hein. Voilà, pesticide moins 63, herbicide plus 1. Ça va durer 10 heures. Par contre, regarde, 100 dans toutes les stats. Donc on va laisser ça comme ça et voir ce que ça va donner. C'est surtout au niveau du coup des insectes, c'est ça que ça va être compliqué. Mais bon. Ah, salut Kaimeru. Très bien, je vais créer un endroit pour que les canards puissent vivre. Ça sera parfait, ça sera suffisant. Je suppose que quand je laisserai la porte ouverte, ils iront eux-mêmes dans les champs et s'occuperont de leurs affaires. Tu me surprends vraiment, Kaimeru. Et regardez, Kaimeru commence un petit peu à abandonner son trauma et il formule presque des phrases maintenant. Enfin, en tout cas, des mots compréhensibles. Très bien. Si tu veux pas laisser les canards dehors, tu n'as que à fermer la porte. Ah, je vois, ça m'a l'air assez simple. Bon, c'est parfait, bah, je vais ouvrir la porte, parce que là, apparemment, des insectes, on va en avoir des tonnes. Alors, comment je l'ouvre, cette porte? Faut que je demande à Kaimeru. Ah non, c'est là, check. Allez, petit canard, à l'attaque! Bouffez-moi tous ces sales insectes! Là, ils sont... Oh là là, ils sont magnifiques! Ils me suivent? Non, ils y vont. Regardez-les! Regardez, petit canard! Non, mais vraiment, tu mets ça dans les jeux, mais juste ça, oh là là, ça apaise mon âme, c'est magnifique. Ok. On est à 193 en force plus 84. Vitalité 200 plus 55. Oh, on a bien mangé là. Ah, ça y est, enfin. Ok. Alors, qu'est-ce qui est apparu là? Donc, en fait, ce qui nous manquait à faire, c'était soit construire la cage des canards. Je pense pas que ce soit ça. Soit simplement écouter la dernière histoire là qu'on s'est racontée au repas. Comme ça, on a tous les éléments du scénario et je pense que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand ce château était là? We still should have been able to see something of this size from the pass. Il avait beau être entouré de brume, on devrait voir quelque chose de cette taille depuis le passage, c'est pas normal. The structure clearly differs from Lord Takaribi's fort. Mais la structure diffère clairement depuis le fort de Lord Takaribi. To believe that the leader of the demons has been quite diligent in its construction, and for some time, no less. Ça laisse croire que le leader des démons s'est occupé de la construction lui-même, et depuis un long moment. This leader is
skilled enough to have built such a grandiose castle right under our noses, hmm? Donc ce leader est assez doué pour construire un château aussi grandiose sous notre nez. How shall we proceed, princess? Très bien. Comment on doit s'y prendre, princesse? It shall be a pile of rubble ere long. On est venu jusqu'ici. On va leur péter le cul. Allez, let's go. Ouais, des moments quand ils utilisent des termes, je me prends pas la tête. On est là pour les défoncer, c'est tout. Hop, ça ressemble vraiment un petit peu aux structures qu'on retrouve dans la capitale, c'est marrant. Bon, ça part directement sur un boss, par contre. Et au final, c'est plutôt bien tombé qu'il restait plus beaucoup de temps à la journée pour la grotte, parce que t'imagines, j'aurais pu perdre des heures et des heures dans la grotte, alors que bah, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Même si je pense qu'à un moment ou à l'autre, il faudra faire quelque chose avec cette grotte. Oh là là, j'ai envoyé mon raiment dans la mauvaise direction. Mon écharpe. Hop là. Allez, le Red Belly. Faut alors, va falloir crever hein, quand même un jour. C'est quand tout veut. Hop. Évidemment, on risque de se retaper tous les boss. Ce qui est un petit peu répétitif, parce que déjà on se les retape dans la grotte, donc là si c'est vraiment le cas... Oh, c'est sympa comme ça. Attends, tac. Oh, il est stylé le niveau du château en vrai. Bon, alors ça, ok, si c'est se taper les boss mais dans leur version genre mob de base... Ah non, mais c'est... Non, regardez les HP qu'ils ont. C'est vraiment, j'affronte les deux boss en même temps. Mais puisque ils sont différents, il n'y a pas la jauge de vie qui s'affiche en bas. Oh, c'est trop dur d'affronter les deux en même temps, frère. What the fuck? Ah ouais, là je reconnais le délire à la JRPG. Vers la fin, il pète un plomb et le dernier niveau, il est juste trop dur, quoi. Je me demande s'il y a moyen de fuir, en fait. Non, on peut pas fuir, en plus. Oh là là, laisse tomber. À la fois il va falloir 3 tryhards et à la fois il faudra certainement repasser bah, plus tard quoi, quand on sera beaucoup plus fort. Mais non, mais c'est impossible que je me fasse toucher par ça. Ouais, bah, je savais que j'allais perdre de toute façon là. En vrai on s'est plutôt bien débrouillé mais... Ah c'est bien, ils me font rythme. Attends, vas-y, on va quand même essayer de tryhard. Je pensais que je reprenais tout le donjon de zéro, moi. Ok. Ah, le cerf, c'est le plus insupportable. Il faudrait qu'on tue le cerf en premier. Aïe aïe aïe, les dégâts. Oh, le vrai combo. C'est ce qu'il a fallu faire pour le faire trébucher comme ça. Et j'aurais dû le laisser un maximum de temps. Et là c'est... Oh là là, c'est dur. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai l'impression qu'on va faire un moins bon résultat que juste... enfin au premier try où je faisais n'importe quoi. Aïe 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 aïe, c'est dur. Je pense qu'il n'y aura pas de salle plus dure que ça en vrai. Franchement, celle-ci, c'est du gros n'importe quoi. Le cerf plus le faisant là. En vrai, c'est parce que j'essaie de faire l'autre attaque. Alors que même si c'est pas très efficace, le multi-slash reste clairement le plus efficace. Ah oui, puis ça les stun et tout. Non, clairement, c'est multi-slash ou rien dans ce jeu. Wesh, le combo! C'est ça qui me fait perdre, c'est que je me prends des combos des ennemis, là. Les wombo combos, comme on les appelle dans le milieu. Ah, c'est emmerdant! Mais non! Mais non!
Ok, bon, on peut se permettre de faire quand même quelques retries, hein. Je prends un coup direct, je sais même pas comment. Il faut que je le combo à fini, genre. Non! Pourquoi ils ont pas pris... J'ai l'impression de les avoir défoncés sur ce trail. Regarde, ils ont pas pris tant de dégâts que ça. Je prends pas du tout... Ah! Pourquoi c'est dur comme ça? Bon allez, je pense à un dernier try. On va peut-être focus le piaf en vrai cette fois. Je le serre, il est trop smart. Seulement je connaissais le secret de ce contre là, qui même contre les boss est totalement cheaté. Ouais, je regarde comment... Regarde à quel point je suis pas sur le coup quoi. Bon vas-y, laisse tomber, on reviendra avec des meilleures stats. Hein. Et bah du coup, bah, il nous reste plus qu'à attaquer la grotte en vrai. On va envoyer des poteaux là, ici, là. C'est rapide. Hop, 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 voilà, parfait. C'était pas ça, c'était ça. Voilà, let's go. Ah, ça va forcément nous rapporter des trucs cool. Je pourrais réessayer aussi le lendemain, mais cette fois-ci en faisant un repas de fou malade, genre, qui va nous booster du plus sang partout. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, le mieux possible. Et on retournera les attaquer. Faudrait peut-être que je regarde aussi si Kinta peut pas nous fabriquer de nouvelles armes. Je dirais que oui, puisqu'on a l'air clairement d'être à côté de la fin du jeu. Et cet endroit sert forcément à quelque chose en fait. C'est sûr que quand on va arriver au bout, on va avoir une récompense de malade. Ok. Go. Voilà, on récupère un maximum de viande quoi, pour pouvoir se cuisiner ce soir. 13e étage, c'est parti. Omae wa mou shinneru.
Voilà, encore un maximum d'ambre. Qui voudrait peut-être que j'essaye de dépenser là. Attends, on va voir. Équipement, est-ce qu'il y a un droit? Ah, Tycoon, ennemi drop, 20% d'ambre en plus, très bien ça. Select Power, on va l'améliorer, ça va passer à 30%, excellent. Et sinon, non, il n'y a rien d'autre à améliorer. On sait comment on peut faire, genre là c'est quoi? Spectre, il faut détruire 20 spectres. Et ça c'est quoi? 30 spectres à détruire, d'accord. Ouais, sauf que du coup, bah, on n'est plus dans la zone des spectres et je vais pas aller là-bas juste pour ça, hors de question. Et du coup, tu vois, si les objectifs c'est ça, c'est qu'il y a forcément des armes. Moi, à mon avis, il y a avoir des armes genre faites avec l'or. Tu vois, on a ramassé trop d'or du côté de l'ouest là. Yeah! Allez, 15e étage, l'étage du boss, c'est parti. Voyons voir les dégâts un petit peu. Elle s'est pris que un tout petit slash et déjà sa vie est bien partie là. Ah oui, il prend tellement cher. Oh, le pauvre! Pauvre enfant! Easy. On va peut-être même pouvoir aller jusqu'à l'étage 20 en vrai dans la même journée là. Hop. 16e étage, on sauvegarde. Ah mais vous savez quoi, peut-être qu'il va y avoir des spectres qui vont apparaître au bout d'un moment. On voit un petit peu tous les ennemis du jeu. Je pense qu'on va avoir un truc comme ça. Voilà, je le fais plein de fois et je sais pas qu'est-ce qu'il le fait en fait. Vraiment, je n'ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est vraiment quand je frappe dans la direction de l'ennemi. Mais s'il suffisait de faire ça, bah je contrerais tout le temps en fait. Je ne prendrais jamais aucun coup. Il suffit de spammer des attaques, mais ça peut pas être juste ça. Frère, regarde le pont comment il est construit. Comment tu veux voir une bombe qui est au sol dans ces conditions là? C'est impossible. Regarde, on voit, elle est complètement cachée sous la rambarde là. Mais arrête de bouger! Il a décidé d'être relou celui-là. Plus relou que ses congénères en plus. Ouais, dégage. Ok, excellent. On le sent, hein, le plus 30% d'ambre, hein, n'empêche. Étage 19, c'est parti. Ça sera qui le boss du 20 après le sanglier? Après le sanglier, je crois que c'était le spectre. Hein. C'est pour ça que je me suis dit que ça allait être le spectre. Enfin, qu'on avait croisé des spectres sur la route. Ouais, peut-être que j'en oublie un. Hein. Il me semble vraiment qu'après le gros sanglier, c'était justement au niveau du volcan. Et qu'après, c'était le méchant spectre. Après, tu me diras, il y a des boss qui... Ils ont quand même sauté quelques boss. Hein, parce que... Il y avait qui aussi en boss? La grenouille, je crois qu'on l'a pas réaffrontée.
Les poissons aussi. Enfin, y a pas mal de choses à faire. Arrêtez de me hit stun. Oh. Allez, on aura bientôt la réponse à notre question. Que nous attend au 20e étage? Ah mais on l'avait même pas affronté lui. Oh, je le déteste. Très bizarre. Vraiment, le système de contre est trop bizarre. Ok. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai gagné un enchantement. De la vraie force. Déesse de la pluie, donc c'est certainement quand il pleut je suis plus fort, donc c'est pas non plus ultra intéressant. Bon là le soleil se couche. Franchement on a fait notre taf. Ah et on arrive dans la zone haut, les clients de la zone haut. Oui donc il y a bien un moment où ça va être les spectres, mais c'est clairement pas pour tout de suite. Alors, tac, world map. Retournons à la casa. Et ouais, là, ça va être la session, farm grotte en fait, hein, jusqu'à ce que la récolte arrive. En espérant faire une récolte vraiment de psychopathe là, que les canards ils vont bien bouffer tous les insectes, qui va me rester un maximum de. Oh non, du coup, Quintal a pu être là. Regardez, Quintal il va disparaître. Non, il est là. Oh, j'ai trop peur. Parce que du coup, je pensais que c'était la fin de la journée. Tu peux me fabriquer. Ah, voyez, c'est bien des armes en or. Et en fait, il me manque un or ici. 6 clay, je sais plus ce que c'est. C'est de l'argile, je crois. Et là, il me faut encore une moonstone. Ah, mais c'est moins fort, donc je m'en fous. Alors, le gold iron, par contre, c'est à une main. C'est plus fort. Il me faut. Alors, ça, je sais pas où trouver, par contre. Je les enverrai, mes deux esclaves, là. Ils iront à un endroit où on peut trouver du clay. Et il va falloir que je retourne vers le fort pour récupérer de l'or, du coup. Ah, peut-être qu'ils pourront récupérer de l'or eux-mêmes, hein, finalement. Le faire aussi. Alors les petits cantons, vous régalez bien. Ah ouais, ma terre elle est vraiment humble. Écoute, on va aller repréparer un fertilisant quand même au cas où. Ce qui m'inquiète c'est que il faudrait quand même avoir plus de riz que ça normalement, vu les 448 qu'on est censé avoir planté. Taïwan il aurait pas merdé au point quand même d'avoir perdu des grains. Ou alors c'est les insectes qui ont déjà bouffé, je sais pas. Ah oui mince, parce que là à la fois j'ai pas fermé la porte ici. Hop là. Voilà, super. Là on va repréparer un truc de ouf. Donc ambre, je sais pas, non je mets l'ambre en premier, c'est pas la bonne idée. D'abord on va faire ici 100, ici 100, 100 partout. Là, ah oui le problème c'est que je peux pas voir pour ce fertilisant en particulier. Bon, on va mettre 2000, histoire de pas gâcher. Et on va additionner ça. Alors ça fait quoi? Ah oui, ça c'est... d'accord. Non, on va pas gâcher clay du coup. Stone, nul. J'avais des trucs de fou là. Voilà, genre les poudres. Ça fait quoi ça? Magic Flake. Plus 50! Plus 50 et ça ajoute toxicité en rien. Plus 50 là aussi. Là on arrive à... Bon, il vaut mieux en mettre une alors parce que sinon ça baisse. Ah j'ai plus de... Eh oui, au bout d'un moment la place est limitée. Le mieux c'est quand même la force. Hein. Les deux meilleurs stats c'est force et vitalité. Alors. Vitalité. Voilà, 83. Les HP, je sais pas si c'est vraiment très intéressant. C'est quoi, c'est Skill Power qui a monté, non? Ça? Non?
Ah mais j'ai pas, comme par hasard c'est tellement la meilleure stat qu'en fait il y a pas de, j'ai pas de poudre qui augmente la force. C'est dommage ça. Ça fait, ça donne quoi ça? Plus de magie, d'accord. Les perles et la viande. Ah voilà, la viande c'est la force. Là je peux en mettre genre ah ouais, pesticides moins 8. Je serais tenté de mettre les trucs encore une fois au niveau du pesticide qui va ruiner le pesticide, mais c'est pas grave. C'était quoi? C'était, c'est le caca normalement là. Voilà, ça j'en mets 188, ça fait plus 50 partout. Ensuite on va mettre des remèdes justement donc contre les insectes. C'est ça? Non, c'est ça alors. Voilà, celui-là, on en met. Ah, j'en ai qu'un seul. Et du coup, on a acheté des trucs qui défoncent bien les insectes, normalement. Qu'est-ce qui peut exploser les insectes? Ça! Ah, voilà, ça défonce bien les insectes. La menthe, aussi. Voilà, plus 10. Le vinaigre, peut-être? Non, c'est une minuté le vinaigre. Ok. Si je mets. Ça, c'est quoi? Oh waouh! Mais c'est quoi? C'est complètement cheaté ça! What? Mais j'aurais dû faire un truc avec ça. On fera ça la prochaine fois si on a encore du temps. Pesticide, spring water, tiens. Ah, ça réduit la toxicité. Oh! Putain, mais c'est vachement complexe. Il y a tellement de combinaisons possibles en fait. J'ai envie de monter la vitalité genre à 100, tu vois. Ou plutôt. Ouais, la magie plutôt. Pour pas gâcher. Et là c'est le max. Bon, on va faire comme ça. Voilà, on va attendre que la fermentation fasse son œuvre. Tac tac tac. Et ma foi, bah, je pense qu'on est bon pour cet épisode de Sakuna of Rice and Ruin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de l'aventure. Ciao !